Hello à tous, c'est Benji, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 16 du Let's Play SimCity Ville de demain. Et les amis, je suis supra heureux de vous retrouver ici en ce jour pour l'épisode, excusez-moi, je sors un peu du live catastrophe Excusez-moi, je sors du live, mais je sors aussi d'une grosse maladie, j'ai fait une sorte de grippe, un truc méga chelou, enfin bref, j'ai été pendant quelques jours, attendez deux petites secondes, je place mon casque, j'ai été quelques jours au lit, hop, enfin moi c'est toujours moi ça, je tombe en vacances et je tombe en même temps malade, voilà, je tombe dans les deux trucs. Ah, bon, alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire aujourd'hui? Bon, tu lagues, mais tu vas vite délaguer parce que sinon tu vas passer par la fenêtre, voilà. J'étais en train de me dire, mais quel magnifique tool. L'Omega, c'est magique. Oh oui, l'Omega, c'est magique. On fait de mucho, mucho, mucho de choses avec l'Omega. Revenu ici du membre or. Membre or, carrément. Tu as la carte astuce, je suppose. Plus 486 flows par E. Oh la vache. Ah, j'ai pas lancé le chrono. C'est moins pratique. Voilà. Et nous sommes toujours autant un peu élevés. Et les amis, on va s'occuper de quelque chose. Plus 15 000 par heure. Ça ne cesse d'augmenter. Attendez deux petites secondes. Parce que je suis sûr que vous m'entendez même pas. Paramètres. Audio. Ouais, je suis sûr que vous ne m'entendez même pas. Voilà. Je pense que là, c'est nettement mieux. Vous allez carrément plus m'entendre. Bon. Alors. Donc, aujourd'hui, on va s'occuper, les amis, que j'avais dit que je le ferais, mais que j'avais zappé complètement. C'est une arrêt de train. Voilà. Sauf que nous pouvons pas. Voilà, nous pouvons pas faire une arrêt de train. Et oui, voilà. C'est pour ça que je l'avais pas encore fait. Et ça fait perpète. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas de rail de fer. De rail de fer, hein. Rail de train. Nous n'avons pas de rail de train dans notre ville. Voilà, donc c'est un petit peu la dèche. Et ça servirait absolument à rien du tout d'en placer une, puisqu'on ne serait pas connecté à l'extérieur. Donc, par conséquent, le train ne sert à rien. Donc nous allons passer directement à un petit aéroport. Et je crois que nous en avions déjà un. Nous en avions pas. Bon. Alors, il va falloir qu'on trouve un peu de place. Parce que c'est vrai que nous en avons là. Alors, voilà, nous n'avons aucunement de la place pour placer ça. La map, elle est trop petite. Bon, d'accord, ok, j'ai compris. Ah, peut-être là, non ? D'accord. Comme ça, moi, nous sommes d'accord. Ouah, qu'est-ce qui se passe avec le son du jeu, là? Il y a des bugs, quoi? Bon. Ok, bon, bah, comme vous pouvez le constater, nous avons strictement aucune place dans cette micro-map pour pouvoir placer un aéroport. Donc, c'est aussi une idée. Abandonner. Bah, écoutez, super, hein, l'épisode d'aujourd'hui, je sens qu'il va s'annoncer les plus excitants. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un problème d'eau usée, effectivement. Il y a des, certains bâtiments qui ne peuvent pas aller à fond. Alors, pourquoi? C'est très bien, je suis content pour toi. Traitement des eaux usées de la ville. Effectivement. Il ne gère pas à fond du fond. Donc... Alors vous avez vu en bas une notification, là vous vous posez sûrement la question, alors qui est-ce? C'est un abonné de ma chaîne, parce qu'en fait depuis un certain moment, très exactement depuis la fin de semaine dernière, vous pouvez me demander en ami sur Origin, Benji comme Benji, 1509, et vous me demandez en ami,
Dès le plus tôt possible, je vous vois, j'accepte, et vous pourrez rejoindre ma région. Alors, pas cette région-là, parce que c'est la région de la chaîne YouTube, mais la région qui s'appelle Live Twitch TV, bien évidemment, qui est la région communautaire créée à l'issue, enfin, pour le live de samedi dernier, voilà. Donc, vous pourrez jouer avec moi, bien évidemment. Et cette ville live prendra probablement le relais après celle-ci. Voilà, je ne sais vraiment pas encore, mais je pense qu'elle prendra le relais, effectivement, après cette ville-là, quand on aura fini d'exploiter un petit peu ce petit bout de terrain. Et ce petit bout de terrain là, parce que franchement, cette ville, elle n'est plus du tout exploitable. On n'a plus de place, on est ri-ri-crac-crac. C'est la pollution du sol, ça, ou quoi? Attendez deux petites secondes, je cherche toujours le bouton, c'est pas possible. Mon dieu, c'est la pollution du sol. Regardez comment la pollution de l'air. Oh, chaque fois, je ferai toujours la même réaction. Je m'y ferai jamais, les amis. Je m'y ferai jamais à autant de pollution, je m'y ferai jamais. Mais jamais. Jamais, c'est jamais. Mais là aussi, d'ailleurs, je m'y ferai vraiment jamais. C'est assez incroyable. Incroyable. Ok, donc j'étais en train de voir ce truc. Excusez-moi, je bouge beaucoup. Hop, voilà. Alors. Tout est bien. Qui finit bien. Enfin, je suis pas sûr que ça se finisse bien, mais en tout cas, là, tout est bien. Alors, il disait tout à l'heure qu'il y avait un problème. Pourquoi il y avait trop à récupérer. Parce que là, pour l'instant, on a 7,1 excédent de kilolitres par heure. Donc, ça veut dire que tout va bien. Donc, je ne sais pas du tout. Ouais, non, tout se passe bien. Bon, écoutez, c'est une fois sur deux, donc on reviendra voir quand il y aura vraiment un problème. Quoi, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai pas eu le temps de lire. Chaîne de recyclage de plastique, lieu de stockage est plein. Aïe. D'accord, nous avons un petit peu trop de plastique. Alors, c'est pas très grave, on va placer l'attaque. Commerce, plastique. Quelle couleur? Plastique. Mazout, plastique, c'est du jaune. Ok, alors nous avons un stock de plastique ici. Mais qui utilise du plastique? Tu utilises du plastique. Lieu d'entreprise plein. Production interrompue. Tu produis quoi? Toi, tu produis des processeurs. Processeurs, quelle couleur? C'est du rose, donc toi. Ok, t'as besoin de processeurs. Sinon, on a le stock de processeurs qui est ici. Et les processeurs, on les utilise localement. Livraison locale de processeurs, yes. Et est-ce qu'on les pas tout ce que je voulais faire. Est-ce que les processeurs, qu'est-ce qu'on en fout? Processeurs utilisés localement. Ouais, donc tout devrait se décoincer normalement. Avec le timer, voilà. Oui, parce qu'il y en a un qui va utiliser le processeur, donc l'autre il va envoyer la marchandise, après l'autre il aura un peu plus de place, il va pouvoir utiliser le plastique, et après comme il va utiliser le plastique, du coup l'autre il va pouvoir continuer à se remettre, justement, à refabriquer du nouveau plastique. Voilà, c'est tout le monde se tient à la queue leu-leu, et oui, à la queue leu-leu, oui c'est le terme, c'est un bon terme ça, à la queue leu-leu, tout le monde est un petit peu ici à la queue leu-leu pour essayer de se gérer les marchandises, c'est pas facile, mais ça va gérer tout seul, il faut juste beaucoup de temps, voilà. De temps, de contrat, de tout ce qu'il nous faut avec. Est-ce que ça fonctionne? Je viens d'y penser, pas d'assurance. Eh ben, je suis content pour toi. J'ai jamais compris qu'est-ce que ça marche, ce truc. Je sais pas du tout comment ça marche. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ça me coûte rien par heure, je crois. Non, ça me coûte que dalle par heure. Donc, tant mieux si je reste là, ça me comble un peu d'espace. Bon. Oui, vous roulez vite, hein, dis donc. Ah bah oui, parce qu'on en accéléré, c'est peut-être pour ça, je pense. Alors, Benji City est une ville à la pointe de la technologie. Merci. Je savais que j'étais à la pointe de la technologie, mais même si tu n'exagères pas un peu, je... Oh, remarque. Non, je suis à la pointe de la technologie. Alors, j'ai la flemme. Tant mieux, moi aussi. Est-ce qu'on pourrait avoir de plus gros... Avoir plus de drones pour faire les courses? J'arrive pas à aller à l'autre. Regardez dans le ciel, c'est un oiseau, c'est un avion, c'est un adave. Drone. Oh,
il nous faut du pétrole. Je fais du pétrole. Oh, c'est quoi ce bordel? C'est pas possible, quoi. Il produit 96 drones par jour. Du pétrole, mais pourtant on est bien. Le pétrole attendri. Où est le bouton du pétrole? Le bouton du pétrole est là. Ah, et ouais, effectivement. On sent ça qu'on devient vraiment ricrac au niveau de cette ville-là, les amis, parce qu'il y a beaucoup moins de pétrole, de tout ça. Par exemple, ce truc-là, il sert à rien. Toi, tu sers à rien du tout. C'est vrai qu'on a un petit peu ricrac, ouais, effectivement. C'est comme ça, hein, mais bon, on arrive à avoir exploité l'intégralité des ressources de cette ville. Donc, on arrive à la fin, quoi. Y a plus rien, y a plus rien. Bon, on essaie encore d'extraire et d'exporter ce qu'on peut, mais bon, s'il y a plus rien, y a plus rien. On va pas, comme je dis souvent, les ressources, on va pas non plus les inventer. Bon, c'est comme ça. Bon, pourquoi est-ce que t'as... Bien, t'as besoin de plastique. Alors, qu'est-ce que tu me casses les tongs, toi? Mais je sais pas. Remue-toi, exporte les plastiques. Je vais pas produire moins de plastique pour qu'il en manque. Donc on va rester comme ça, et tu vas continuer comme ça. Je vais pas le bouffer ton plastique, hein. Bon, s'il n'y a pas de place pour stocker ton plastique, et ben y a pas de place. Je peux rien faire d'autre. Purée, la pollution, regarde-moi ça. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est même d'ailleurs pas possible. C'est pas possible, c'est ça, c'est le mot. Ça aussi, c'est pas possible du tout, 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 du tout. Ça va, c'est pas trop bouchon. Ça circule en fait. Aussi, celle-là, c'est bouchon. Là, par contre, ça bouge pas. Ouais, chaque jour, toujours le même bouchon. Moi, n'y peux rien. Enfin, moi, personnellement, je n'y peux rien. Ne vous plaignez pas, vous êtes bloqué sur le pont, vous avez une magnifique vue sur la mer polluée. Alors moi, je serais vous, je serais plutôt content, hein, parce que au lieu d'être bloqué sous un pont, là, vous êtes sur le pont et vous avez une magnifique vue. Bon, par contre, vous avez l'intégralité de la pollution des industries dans la goule. Mais bon, ça, c'est pas grave, ça, c'est qu'un élément à côté, bien évidemment. Si ce serait à prendre en compte, oh, je m'appellerais pas Benji, évidemment. Je suis parti dans un délire, là, mais un truc de malade. Pas assez de place pour augmenter la densité. Oh, mon pauvre chou. Eh bien, écoute, t'as qu'à te débrouiller avec cette méga tour immeuble et t'arranger, ok? Et puis, j'aurais bien aimé dégager ça à côté, mais sauf que le problème, c'est que c'est un apport énorme, voilà, à avoir des bam-bam-bam bâtiments ici. Parce que ça, ça nous pourrit la life. Ça, ça nous pourrit la life. C'est vrai qu'on est vachement parti dans l'industrie dans cette ville. J'ai envie de tout raser, les amis, de faire une météorite, là. En plein milieu de ce truc, que tout prenne feu, qu'il n'y ait plus rien du tout. Pardon, monsieur le bouton. Qu'il n'y ait plus rien du tout, ce serait génial quand même. Ça ferait un retour en arrière. Pas de fou non plus. J'ai déjà un petit peu de mal à le gérer localement, alors je vais pas le gérer non plus dans le monde mondial. Des yeux de lynx. J'ai vu qu'il s'était passé quelque chose. Pas assez de place pour écouter. Oh, c'est pas vrai, hein. Allô. Ouais, en tout cas, ces bouchons ne se gèrent absolument pas. C'est toujours le même problème. Ah, puis ça décoince pas, quoi, depuis ce matin. Ça décoince pas, ça reste toujours le même problème de bouchon. Ouais, je comprends pas. Très bizarre.
C'est vrai qu'elle est magnifique, cette ville. Ben non, on n'a plus vraiment rien à faire dans cette ville. Hein. Tout se fait un petit peu tout seul. On a mis tous les trucs qu'on pouvait avec développer les industries, tout ça. Et tout va bien. Tout va bien. Enfin, moi, personnellement, je trouve que tout va bien là. Là, tout va bien. Non, là, tout va mal. Comment ça se fait qu'on a un problème de contrôle net? Oh, Megako. Là, t'as... Ok, donc il faut qu'on construise des chaînes de production d'oméga supplémentaires. Alors attendez un peu là. Non, on peut plus. On est ric-rac là. On est super ric-rac. D'accord, mais celle-là. D'accord. Faudrait carrément rajouter une usine supplémentaire. Hein. Faudrait, c'est l'idée, faudrait carrément qu'on rajoute là une usine supplémentaire pour pouvoir assurer correctement une production suffisante. Ouais, sauf que là, lui, il a un souci de pétrole, et moi, je suis désolé, au niveau du pétrole, je récupère ce que je peux. Hein. Lui, il extrait le maxi du maxi du maxi. Si après, il y a un problème de marchandises qui va pas au bon endroit, moi, c'est pas mon problème. Hein. It's not my suicide. Parce que le problème, il y a tout ce chemin-là à faire pour arriver là. Ah mais c'est ce qu'il nous faut dans notre ville pour éviter les bouchons. Hein. Si tout le monde passe par là et tout le monde passe par là, du coup tout le monde va se retrouver bouchonné ici. Donc là déjà il y a un énorme bouchon entre ceux qui vont de ce côté-là de la ville et ceux qui vont de l'autre côté de la ville. Pardon, ma souris est un peu sortie de l'écran. C'est déjà assez complexe comme ça. Donc si en plus on va rajouter cet embrouille-là, non, on va jamais y arriver dans ces cas-là et ce serait littéralement impossible à gérer. C'est complètement fou. Forage. Mais je sais... Les ressources de pétrole? Mais mon puits de pétrole à moi fonctionne correctement, mais c'est vrai qu'on produit beaucoup moins de pétrole parce qu'on n'en a plus du tout. On produit vraiment beaucoup moins de pétrole. Hein. Elles y sont maxi. Peut pas faire mieux. Hein. Ils sont maxi. Ah, elles sont déjà en maxi que maxi. Donc, me guider. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Elles sont déjà en maxi que maxi. Donc, je peux pas faire plus de qu'est-ce que je peux faire. Oula. Désolé pour les bugs occasionnés, hein. J'aurais dû redémarrer mon PC, mais non, j'ai pas le temps. On enchaîne directement avec l'épisode. Malheureusement. Bon, on va aller faire un petit tour à... Parce que cette ville-là, elle est carrément finie. Et j'ai bien envie d'aller là-bas. À Beaubutin. Allez, on va aller lui faire un petit coucou. Dernière partie, il y a 22 minutes. Non, ça, j'en suis certain... Ça m'étonnerait. Je pense que j'en aurais été le premier averti si jamais il y avait eu vraiment quelque chose. Ouais, bon, j'aurais pas dû couper au fait, hein, parce que ce chargement il était super rapide. Donc pour ceux qui m'ont suivi depuis le début de ce nouveau let's play, donc en fait, nous avons seulement créé cette ville secondaire avec seulement une centrale nucléaire. Et quelques habitations pour qu'elle puisse s'auto-gérer. Donc en fait, elle nous vend son électricité à l'autre ville. Et puis bah, comme ça, on utilise donc ses ressources nucléaires qui sont génialissimes. Hein, 800 mégamètres, non, 800 mégawatts peut-être, je pense. Et elle nous envoie ça à notre ville qui est là. Coucou! Et pourquoi il nous manque une méga tour là, en fait? Ah oui, non, elle est juste à côté, pardon. Oui. On prend de la conscience de l'importance du recyclage à Beaubutin. Et là, je suis heureux. Donc, on peut constater par contre ici que l'argent est en forte baisse. Parce que... Voilà. Ça ne va pas du tout. Donc, on va essayer d'améliorer tout ceci tranquillement aujourd'hui. Voilà. On va changer un petit chouïa de ville. Hein. Enfin, c'est pas notre ville principale, mais bon. Est-ce que je peux partir par là? Ouais, je peux. Hop.
l'instant, on va faire un énorme truc comme ça. Et on va placer plein d'habitations. Tout autour. Voilà. Et hop, on va lancer la construction acharnée de ça. Vous allez voir, ça va se construire à la vitesse éclair. Enfin, j'espère, parce qu'à vrai dire, tout le monde est parti dans la ville d'à côté. La ville de Benji City. Donc, à mon avis, si on a du monde ici, ce serait déjà pas mal. Ce serait pas un miracle, mais ce serait déjà pas mal. Elle commence à aller à l'école, mais aller à l'école... Profitez-en, il n'y a pas d'école dans ma ville, et on va avoir beaucoup plus de population, donc aller à l'école dans la ville d'à côté, ça fait zizir, comme on peut dire. Hein. C'est marrant, on voit les maisons qui se construisent, et quelques microsecondes après, comme il y a le temps qui avance, on a les camions d'aménagement qui arrivent. Ça bouge assez. Par contre, tout le monde va travailler dans l'usine nucléaire, ouais. Ah bon, bah c'est très bien, si... Bon, ma police dans ma ville a du mal déjà un petit peu à gérer moi, et je vais gérer la ville voisine. Bon, moi ça me dérange pas, hein, personnellement. Si ça me rapporte tout, un petit peu d'argent. Bon, par contre, je fais beaucoup d'habitations et je vois pas notre argent remonter. Enfin oui, je la vois remonter, mais très peu. Donc faut peut-être attendre un certain temps pour vraiment les gens s'y plaisent, ou je sais pas trop. Ah, on est en petit déficit de flotte, et bah pourtant c'est très bizarre, parce que regardez notre production aqua... Elle est très forte. Mais en même temps, notre usine centrale nucléaire nous consomme tellement tout. C'est assez incroyable. Donc on va en mettre un autre ici. Voilà. Tu seras le truc qui s'occupe de faire l'alimentation. Mon dieu, la pollution ici, c'est cool. Qui s'occupera de faire l'alimentation des... Voilà. Des petites maisons. L'autre à droite s'occupe de faire l'alimentation... de la centrale nucléaire pour éviter qu'elle surchauffe tatatitatata. Et toi à droite, tu t'occupes d'alimenter les petites maisons du coin. Voilà. Ce qui permet à tout le monde d'avoir de l'eau. Tout à fait normal. Si d'ailleurs, je crois qu'on peut voir avec... Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça non plus. Ça n'a rien à voir. C'est tous ceux qui sont équipés ou pas. Non, c'est pas ça. Je sais plus du tout c'est quoi. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a de l'eau. C'est ça le principal. Bon, l'électricité, je pense que vous allez pas avoir de problème d'électricité. Parce que vu ce qu'on produit, probablement, ce n'est pas un problème. Bon, les gens sont pas malades. Enfin, bon, pour l'instant, c'est vrai que là, ici, on n'a aucun problème. Parce qu'avec le très peu d'habitations qu'on avait, si jamais ils étaient malades, ils allaient directement dans la ville d'à côté. Et puis, c'était une vieille histoire. Hein. C'est vrai, c'était une histoire réglée. Bon, par contre, ne me demandez pas à quoi est censée ressembler cette route, je n'en sais rien. D'accord, c'est vraiment un truc que j'ai fait super feeling. Et puis, où on aura tous les jours des bouchons, des heures de bouchons. Ça, c'est certain, on aura des bouchons. Parce que ça m'étonnerait que tout ce trajet-là soit fluide. Hein. Ça m'étonnerait énormément. Mais bon, les bouchons ne sont pas le but de cette ville-là, c'est de l'exploiter un petit peu. Pour qu'on fasse un peu une pause dans notre ville à nous et qu'elle puisse avoir le temps un peu de se développer. C'est vrai que plus le temps passe, plus que cette ville-là... Ils ont encore un peu d'argent parce que l'usine nucléaire, en fait, ils vivent un petit peu avec l'argent qu'on lui envoie pour fonctionner. Ils vivent vraiment de ça. Bon, attendez, on va attendre 6 heures. À 6 heures, tout le monde va se lever pour aller bosser. À mon avis, tout le monde va quitter la ville. Je sais pas du tout. C'est cela, ouais. Tout le monde quitte la ville, en fait. Tout le monde quitte la ville. Tout le monde quitte la ville et il y en a qui viennent. C'est bien ça, ouais, tout le monde quitte la ville. Tout le monde quitte la ville. Je ne veux pas aller ici. Je vais dans la ville voisine travailler avec des bons emplois, des bons patrons et des bons salaires. Je quitte la ville. Remarque, t'as bien raison. Plutôt cool, ouais. Oh là, je vois que notre ville est en déficit de... D'électricité ! Comment ça, d'électricité ?
What? Attendez, on repart en méga express dans notre ville parce qu'apparemment on a des déficits électriques. Normalement ça devrait rien engendrer parce qu'on achète toujours de l'électricité à cette ville-là, donc normalement tout devrait bien se passer. Bon, est-ce que je refais que ça vaut le coup ou pas que je refasse une pause? Non, on va pas faire de pause. Très étrange. Pourquoi? Je suis en train de réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on aurait un problème d'électricité? Parce que tout était bien. Tout était bien correct. Ouais, tout allait bien. J'arrive pas bien à comprendre. Très bizarre. Qu'est-ce que Hadav poids lourd? J'ai jamais compris. À mon avis, ça doit être dans les palais. Bon, effectivement, la pause valait vraiment, vraiment, vraiment le coup. 4 millièmes de seconde, se rendre dans les entreprises locales. Bah oui, merci, je le savais pas. Comment ça, problème électrique? T'as intérêt à m'avoir fait revenir vraiment pour quelque chose, parce que s'il n'y a pas de problème. Ah, si, il y a un petit problème parce que normalement les routes sont censées être jaunes. Alors attendez, je regarde. D'où vient le problème? Oh non, je me suis pas touché. C'est en dessous. D'accord. Ah oui, mais c'est pas du tout un problème. C'est parce que là-bas, toute l'alimentation principale n'allait pas directement à ma ville. C'est pour ça. Est-ce que tout le monde est encore alimenté par par la source nucléaire, hein? Oui. Tout va bien. J'avais moi aussi un peu peur, hein, mais non, non. Benji, t'as pas d'inquiétude à avoir, tout va bien. Non, 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 tout va bien. Tout va même d'ailleurs très, très bien. 11 230. On continue de baisser, on continue de baisser. On va revoir les contrats avec l'autre ville. Alors... On lui achète de l'électricité, ça c'est très normal. De la flotte. Non. Les eaux usées. Non plus, il faudrait que l'autre nous en achète. Ok. On lui envoie un camion de recyclage. Ok. Est-ce qu'on t'envoie du pompier? Non, parce qu'on a qu'un seul camion chez nous. D'accord, donc c'est très dur à gérer. On t'envoie par contre un truc comme ça. On t'envoie un truc de police. Est-ce que je t'envoie de l'Oméga? Non, mais t'en as pas besoin. Je t'envoie du contrôle net. Non, parce que ça doit être un fournisseur. D'accord, puis on aimait beaucoup dans le contrôle net. Donc je vais repartir dans l'autre ville. Parce que, attendez. Tac. Peut-être que l'autre de côté a besoin de l'eau. Ouais, c'est ça. L'autre ville, les amis, elle a peut-être besoin d'eau. Donc je refais une pause, on se retrouve. Voilà, donc on va pouvoir regarder ça correctement. Hop là, donc tac. Alors. D'accord, on lui vend pas d'électricité, on lui vend de la flotte. Ouais, est-ce que t'as besoin de flotte? Eau consommée par heure. Non, ça va. Parce qu'on pompe ça et on consomme ça. Donc ça va pour l'instant. Eau usée. Alors, eau usée produite. Capacité de traitement. Ah oui, effectivement, oui. Pareil chez nous, on a une énorme capacité de traitement et on en utilise très peu. C'est quoi, eau usée traitée par heure? 1,4 kg, ok, bon, effectivement. Et on envoie les services, d'accord. C'était pour mon assuré, j'avais un gros doute là-dessus, mais non, c'est bien ça, ok. Ok, donc tous les contrats avec notre ville voisine sont clairs, nets. Et bien fait, précis et tout. Bon, on va revenir au final sur Benji City. Elle est très intéressante, Benji City, effectivement. Mais c'est vrai que ce problème de... C'est un bug. Ça fait partie des bugs de SimCity parce que je vois pas vraiment... Et il fallait juste tout simplement le temps pour que toute l'eau arrive tranquillement dans les rues. L'eau, n'importe quoi. L'électricité, que l'électricité, merci, arrive bien tranquillement dans nos rues, hein. Parce que là, je vais regarder.
Tac, tac. Ouais, c'est ça, en fait, à chaque fois qu'on refait un rechargement, il faut attendre, comme l'électricité vient de la ville voisine, il faut toujours un petit peu attendre que l'électricité, je veux dire, refasse tranquillement les routes, en fait. Donc ça va prendre un certain temps, voilà, on voit bien. Tout doucement, les chemins rouges, enfin les routes rouges vont vite redevenir des routes jaunes remplies d'électricité. Et par contre, j'espère quand même que ça se fait quand on n'est pas là, parce que... Ah, du coup, regardez, les rues, ils sont éteints. Parce que si on fait pas ça, c'est-à-dire que la ville, elle va vraiment tomber en pénurie, en fait. Donc on peut pas jouer avec l'autre ville, parce que si on joue avec l'autre ville, cette ville-là va tomber en pénurie d'électricité. Si j'ai bien compris de quoi il était question. Oh là, c'est ça... Ouh, ma tête, elle est en train de fumer, là. Je pense que c'est... Ouh, et je pense que c'est la fête, les amis. Mais je pense aussi qu'on va se quitter, les amis. Oui, bah, je sais. L'épisode d'aujourd'hui n'aura pas été très long. Mais actuellement, là, je viens de finir le live qui s'est passé de manière catastrophe. Je suis fatigué de ma journée comme pas possible. Donc en tout cas, peut-être qu'on fera, oui, effectivement, un épisode la semaine prochaine. Puis c'est pas effectivement, c'est qu'il y aura un épisode la semaine prochaine, enfin, j'espère. Mais vraiment, tout dépendra de la suite des choses, parce que mon PC était pris de bug infernal. Et j'ai beaucoup d'autres trucs à voir en annexe pour tout ça, justement. Donc voilà, c'est... Voilà, faut gérer tout ça, et puis bon, quand on a cours, c'est pas facile à gérer, donc j'avais dit que j'essaierais de voir ça pendant les vacances, et justement, il faut qu'il m'arrive une pleine catastrophe pour justement que je puisse vraiment voir où sont les problèmes. Voilà, donc je vais vous faire une magnifique vue de la ville, en plus, en pleine nuit, c'est magnifique. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire ainsi que de mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, et moi je vous retrouverai très 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 rapidement pour un de vos épisodes favoris. Allez, sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine, ciao, bye bye! Yeah.